Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment paramétrer un Padlet pour un usage en classe. Donc, vous connectez Padlet, vous écrivez Padlet dans votre navigateur. Si je clique sur le premier lien, si j'ai déjà un compte, vous voyez que j'ai l'ensemble de mes Padlets qui apparaissent. Pour se créer un Padlet, il suffit de cliquer sur ce bouton. Vous voyez que moi, j'ai beaucoup plus de Padlets que les trois Padlets autorisés. Donc, je ne peux plus créer de Padlet. Je vais prendre un Padlet déjà existant. Donc, on clique sur le Padlet. Apparaissent vos publications. Ici, vous avez le bouton Partager. Quand on clique dessus, eh bien, on a accès ici aux paramètres de la politique de confidentialité. Donc je clique sur ce bouton et j'ai le choix, soit je le mets en mode secret, ça veut dire que seules les personnes qui ont le lien peuvent y accéder, soit également je peux mettre un mot de passe. Ici, vous avez le choix, soit votre visiteur il peut simplement lire, soit il peut écrire ou éditer. Moi, j'ai mis le choix d'écrire. Voyez, donc c'est résumé ici, votre Padlet il est secret, vos visiteurs peuvent écrire. Si les visiteurs peuvent écrire, il faut alors changer également la politique de modération. Donc nous allons fermer ce menu pour cliquer cette fois-ci sur la petite roue ici. Vous pouvez changer le titre ici et même changer le lien, l'apparence ici. Il suffit de cliquer, voyez, sur le bouton. Par défaut, il n'est pas activé et on l'active comme ceci. Donc, on modère le contenu en demandant l'autorisation de l'administrateur du Padlet, c'est-à-dire vous-même. Il suffit de sauvegarder vos réglages et vous fermez. À bientôt pour un autre tuto.